Re, j'ai envie de crever. Hein. J'ai envie de crever, re. Allo, 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 bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bordel, il a été long ce crash internet là. Oh, il a été si long. Oh, il était si long, si long, si long, si long, si long. Si long, en plus j'étais déconnecté de mon compte Twitch sur mon tel. Oh non, FF. Attendez, je me reconnecte juste. Tac. Ok, let's go. Let's go. Voilà, décalé. Oui, je sais. C'est ce que j'essaie de régler pendant que... Pendant qu'il y avait le crash. C'est pour ça que j'ai pas vu le crash au début. Genre, ça a crashé hyper longtemps et j'avais pas vu le crash. OMG. Affiche la barre de favoris. Mais non. Pourquoi elle s'affiche? D'habitude, elle s'affiche pas. Voilà. Re. Bah, je sais pas à quel moment ça crash. Je sais plus à quel moment ça avait crash. Bon, après, vous avez rien loupé, hein. Bon. On va commencer à devenir des haters d'Orange parce que d'habitude, j'ai souvent des crashs, mais quand j'ai des crashs, normalement, c'est genre vers minuit, une heure du matin. Et là, ça fait quand même 2-3 fois que le mercredi après-midi à 16h, ils aiment bien... Ils aiment bien Cotlaco, ils aiment bien Cotlaco, hein, Orange, hein. Ils aiment bien Cotlaco, Orange, hein. Ils aiment bien Cotlaco, hein. Ah, du coup, ça m'a forcé à... Vu que les connexions étaient longues, ça m'a forcé à cut le stream à relancer parce qu'au moment où j'ai retrouvé Internet... Désolé pour ceux qui ont eu 2 ping. Au moment où j'ai retrouvé internet, en fait, j'étais encore en recherche de co. Du coup, bah, et, en fait, OBS est en mode bah, prochaine tentative dans 45 secondes, alors que j'avais déjà la co. Du coup, j'ai fait vas-y, tant pis. FF. La croix en trop. Non, mais la croix en trop. Ah, ça marche pas comme ça, Cucunette. Ça ne marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. D'ailleurs, ça a fait cracher le chat. Le chat a craché. Attends, hop, actualisé. OMG. C'est bon. Vous êtes là, je crois. Ah, mon stream deck est mort par contre. Hein. Mon stream deck est mort. Mon stream deck est totalement mort. Ok. Là ça marche, mais mes connexions internet sont mortes sur le stream deck. Vous êtes de retour. Ils sont de retour. Il est de retour. Oh, quel... Alapapalapapalapapa. Attendez, je rate juste ce qui s'est passé avec mon lien Twitch là. Ça marche pas là. Mais c'est bon, ça marche. Je vais juste relancer l'application. Eh bah, que d'aventure, hein. Non, mais c'est pour ça, le Kaizo, ça rend déjà le fait de juste lancer le jeu à impossible en fait. Juste lancer le jeu, vous savez, c'est déjà une épreuve, hein. C'est déjà une épreuve, les gars. Lancer le jeu, vous imaginez? Vous imaginez lancer le jeu? Ah, c'est déjà terrible, hein. OMG, vous la voyez, la team, elle est juste en bas. Elle est composée de War, je vous la remettre. Hein, comme chaque début de stream, le petit point sur la team avec le bon petit art World qu'on avait bench au PC, qu'on a repris et qui nous carré bien parce qu'il est hyper rapide et qu'il a hypnose à 70 de précision. Ça fait plaisir. On a Itza, le dernier venu, qui est venu à la fin du stream hier. Petit Salamèche. Je ne cache pas que le petit Salamèche, on va pouvoir l'XP, ça va être très très bien. On a Yanis, notre starter, le Silix, qui est toujours là. Bon, il a pris une attaque roche quand même. Il a pris un attaque roche, ça pour toucher les types vol, c'est fantastique. Je vous cache pas que qu'avoir Rogue tombe pour taper les types vol, ça fait plaisir. On a le bon Barbichard qui est quand même très sympa, le type sol haut, alors faible au type plante. Mais du coup, c'est maintenant on a le Salamèche pour le type plante. Mais bon, un Salamèche qu'on va devoir quand même bien remettre. Le Carry Brasbo, bien sûr, hein. Brasbo Turbo Carry des Enfers. On a Christ aussi, Christ qui nous a bien carré quand même, hein. Qui avait déjà carré un précédent Nuzlocke, qui recarry celui-ci. Ça a beau être un linéon type normal, malgré une arène roche, il met quand même bien, avec des attaques 70 de puissance stabée et tout. Non, ça met pas mal. Que des carries. On a déjà une belle équipe en vrai, hein. Ça va être dur de faire de la place et d'en libérer, hein. Ça va être dur de faire de la place et de libérer. Sachant qu'on a le Salamèche à XP quand même. Mais bon, ça va se faire naturellement, l'équipe du Salamèche. Ça va faire naturellement. On était où? Ah oui, il faut qu'on aille au village Milkara. Bah, lance tout de suite, hein. Ah oui, elle veut se battre, non? Elle veut se battre, non? Go se battre, non? C'est quoi la voix du rival déjà? Ah, il faut que je refasse le doublage. C'était quoi la voix du rival déjà? Comment on faisait la voix du rival?
Je me souviens plus. Qu'est-ce qu'on a fait comme voix? Je me souviens plus si j'avais fait une voix dégueulasse ou... Non mais c'est important que, dans la continuité, semaine après semaine, les persos gardent la même voix. Non, j'ai rigolé, on a absolument rien à foutre. Ah, salut Sacho. Oh, t'as une fonctionnalité d'appel sur ton Pokénav, incroyable. Est-ce qu'on pourrait pas s'échanger nos 06? Oh, ça va un peu vite entre nous quand même, par contre, Flora. Hein. Ça va peut-être un peu vite entre nous, et le mois de mai. Oh, au passage, j'ai... I passed. Le monsieur Brinet. Ah, I passed, genre j'ai croisé. Ok. Ah, au passage, j'ai croisé monsieur Brinet dans les bois de Pétalbourg. De Bourg Pétale. Je suppose qu'il était sur son chemin pour rentrer à la maison. Dans son... cottage, le cabanon. Cabanon au bord de la mer. Comment ton Pokédex se complète, Sacho? Le mien, bah plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce que tu dirais d'un petit Kuba? Oh oui, go. Go. Oh, go. Ah, t'es vraiment devenu un vrai trainer, Sacho. Je ne vais pas perdre. Salut. Je ne perdrai pas. Allô. C'est Todd. C'est Todd. Littéralement Todd. Bon. Comment ça, mais tu proposes un canne artichaut? Canne artichaut. Il va me paralyser. Je vais pleurer. Il va me paralyser, je vais pleurer. Salut mec. Ah non. Ah bah. Bon, hey, Flora par contre, il va falloir quand même élever un peu au niveau de jeu hein. Faut élever un peu le niveau de jeu Flora, parce que c'est pas des modes slap qui... Oh, je vais rater Rock Tomb. J'ai parlé, je vais me faire karma, je vais rater Rock Tomb. Voilà. Voilà, je dis d'élever le niveau de jeu, je me fais karma. Oh non, je suis un manque de précision. Allez. Ah merci. Premier combat, Canartichaud, c'est déjà la sauce hein. On s'est fait qu'un artichède. Oh, il est moins rapide. On l'a outspeed, OMG. Oh, bien sûr. Oh, Yanis, bien sûr. Oh là là. Ah, mais Rocktomb, de toute façon, ça baisse la vitesse à 100%, non? Oh, j'aurais pu me mettre en défini pour XP le Salamèche, mais vas-y, on n'est pas un tricheur. Nidorina. Rien de spécial à dire. Nidorina. Petit poison, tout ça. Qui va vouloir m'empoisonner? Tu m'empoisonnes, je mets Brasbo hein. Si t'as l'encran là, Jean Christ. Un des deux. Y'a pas de résistance au type combat là de toute façon. Ah, c'est ça. C'est pas poison hein. Ah mais parce qu'il était sur le stick. Oh bah ça va aussi. Il était sur le stick, ça c'est pour ça. Est-ce qu'il y a des dégâts de recul, je tombe KO? Oui, parce qu'il est plus rapide que moi je pense. Y'a un monde. Est-ce qu'on essaie de le paralyser? Le karaté chop ça crit. Ouais, ça va, c'est bon. Sinon, on counter. Mais je sais pas s'il est plus rapide. Il est plus rapide. Ah, et du coup, cran est actif. Poison résiste combat, c'est ce qui me semblait. Mais regardez, là on crit. Non, mais. Full counter. Là on tank. Et là, full control. Regardez, hop. Oh, ça tue pas. Et là, regardez, vive attaque. Non, j'ai pas attaque de précision. Je n'ai aucune attaque de précision, ma FF. J'ai pas attaque de précision. Qui tank là? Ok, c'est plus rapide. Hein. Oui, bah, Brasbo, écoute, désolé. Hein. Non, mais c'est bien. Au moins, on connaît notre table des types. Ça fait plaisir. Moi, le fait de me dire que je connais notre table des types, tu vois, ça rassure. Ah, mais ça met en confiance. Ça m'en confiance dès le début du stream, premier combat, le thème des types et pixels. Non, ça met bien. Ça m'en confiance. Oh, ça va, allez. Oh, allez, protect, le gaming, là, on ne peut plus. Nidorina femelle, fait chier tout le monde. Nidorina femelle, malaisante. Je vais y arriver, attendez. Nidorina femelle, malaisante, fait chier tout le monde avec ses protects. Ouais, c'est bon. Putain, mais il crie, c'est toujours bouffite par contre, hein. Je pourrais mettre Salamèche. En fait, j'aimerais bien un safe switch pour mettre mon Salamèche. Pour l'XP, parce que là, du coup, c'est. Je vois toute l'XP du Salamèche. Oh, c'est un safe switch ça. Oh, ça, c'est un safe switch ça. Il prend 0 XP en fait, de toute façon. Ça vaut 0 XP ça. J'aurais jamais dû switch le Salamèche. C'est un safe switch de fou. C'est un giga safe switch. Je fais 0 dégâts, je peux re-switcher.
Eh, grosse team Flora quand même, hein, entre Negapi, Canarticho. Bien joué, hein. Et là, qu'est-ce qu'il a contre moi? Qu'est-ce que t'as contre les types sol? Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi, mec? Tu vas faire quoi, mec? Tu vas switch? Oh, c'est Spiritos. Le jeu est quand même fait pour avoir des counters type sol, bien sûr. Bon, là. J'aurais dû randomiser les types des Pokémon. Ah, je sais pas. Moi, j'aime bien avoir le côté quand même jeu de base et Pokémon. Comme ça, la connaissance du jeu rentre en compte dans le random. Parce qu'évidemment, je suis quand même un grand connaisseur du jeu. Je suis quand même, je pense, un... Ça se voit quand même que je connais parfaitement tout ce qui est... tout ce qui est les dresseurs, le jeu, les mécaniques, la table des types, tout ça. Je connais. Non, mais je connais. Oh, frère, oh, ça va. Là, je suis resté, ça, je suis passé, mais... Regardez, là. Yanis, il a pas de sentiment. Yanis, il n'y a pas d'amour qui tienne. Il a pas de sentiment. Aucun sentiment. J'ai pas un mâle, là. Un mâle bien alpha, là. Oh, world. Mâle full alpha. Qui peut switch in. Faut quand même gagner ce combat, mais... Oh là là, mais le tanking... J'étais en mode hypnose, mais en fait, on a juste le bubble beam à mort. Hein. Quand même faire 0 dégâts, hein. Et là il fait nœud herbe. Oh mais trop fort World. Beaucoup trop fort hein. Aïe, ça fait mal par contre. Oh frère Je tank. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Évidemment c'est tanké. Évidemment. Évidemment. Oh World qui stonks. Il y a Nice aussi. Mais pas la salamèche. Oh, plus 5, 80 défense. Oh, oh t'es passé à 80 de défense, mon ref. Niveau 18. Ah oui. Ah oui. Oh. Oh, l'XP pourri de ça. C'est gagné. Tchoum. Moi, j'XP en Kaizo comme ça, je suis un malade. Hein. Waouh, ça fait mal ça. Il va me faire une attaque, je sais pas, moi, Secret Power là. Hop, 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 hop. Alors c'est chiant parce que mon dernier full HP c'est Metalos quoi. Bon, on va en envoyer Nice et ça, bah, ça va se passer. Pyrénées tombe KO. Aïe. J'ai pris un PV les gars, putain, je sais pas comment je vais faire. Il tape trop fort. Hein. Ah il tape trop fort. Hein. Oh mais j'ai faim. Ah, ah. Ah. Comment ça, depuis quand un Steelix peut tomber amoureux d'un bulle bizarre? C'est bizarre, c'est pas le... Ah, c'est bizarre. T'as compris la ref? Chacal, va. Vous êtes trop de ref, le chat. Oh, voilà, Yanis. Il n'y a pas d'amour qui tienne. Il n'y a pas de sentiment, ce Steelix. Il a compris l'absurdité de la situation. Il a compris qu'un Steelix... Le... Ah, arrêtez, non. La blague n'ira pas plus loin. La blague n'ira pas plus loin. Je juge leur amour, mais en attendant, le Steelix a bien compris que ça n'avait aucun sens. Magnitude 9 dans la gueule du Bulbizarre. Non, mais c'est un magnitude d'amour. C'est un magnitude à la hauteur de l'amour que le Steelix avait pour le Bulbizarre. Mais tu vois, du coup, je switch, je prends que 67 points d'XP de haut. Oh, oh, j'aurais bien aimé switcher le. L'autre là. Comment il s'appelle? Ouais, vous avez compris. Le Itza là. En vrai, je sacrifie Yanis, je switch Itza et je switch Metalos derrière. Non, let me cook, on va le slow. Je le mets comme ça moi. Let me cook, je vais juste le slow. Bonk, 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 bonk. Let me cook. Je le slow. Je pense qu'il est encore plus rapide que moi. Même pas. Ah oui, donc là le moins de vitesse était même pas nécessaire. Oh boss. Le crit était pas nécessaire non plus, Yanis. Si tu pouvais crit contre la championne d'arène et pas contre un Flobu alors que tu infliges un PV, ça m'irait bien. Merci Yanis pour les services rendus. Et là, full XP par contre. Hein. Oh là, full XP là. Oh là, Itza, mon gars, tu vas te gaver. Hein. La Marcombre. Flobu Marcombre. Et là, boum. Et là, boum. Je sais même pas comment je le touche. Ah si, j'ai des attaques sol, ça va le faire. J'ai une magnitude. Aïe. C'est bon, j'ai pas été pris là. Bonne magnitude, hein. Petite magnitude 8. On est bien. Bonk. Là, c'est la vitesse, hein. Je suis encore plus rapide, hein. Encore plus rapide, hein. Bi-rapidité, magnitude 7. Ça met KO, bravo à tous. Allez, deuxième combat de rival passé. Mais c'est le bonus, celui-là, c'est le combat de rival bonus.
Celui qui nous inquiète est celui sous la piste cyclable. Oh, il serait 244 points d'XP, ça met bien. Ouais, plus 1. Eh, faut faire un effort hein, sur les level up pizza. Hein. Pas se passer comme ça. Hein. Yikes! T'es un vrai embêteur, meilleur que je pensais. 260 Pokédollars, je prends. Oh, au passage, Monsieur Brinet que j'ai croisé. Sachant, tu viens de déménager, donc tu ne le sais peut-être pas, mais Monsieur Brinet était une fois un célèbre marin. Navigateur. Merci. Ah, au revoir Brasbo. Eskine. C'est son destin, bref. Bon, le moindre combat un peu facile, je le mets quand même dans la sauce. Hein. Mais bon, on a XP le Salamèche, moi c'est tout ce que je voulais. Ouais, deux, ouais, point. On est comment au niveau zone là? Bon, de toute façon, là on va revenir sur nos pas. Normalement, on a aucune zone à aller prendre là. Ouais, point, point. Ok, go. Village Mika. Allons-y. Hop, voilà. Toujours là, raid au passage? Oh, oui, y'a raid. Mais y'a toujours raid. Bon, y'a raid, hein. Oh, il fait sa vie, hein. Il chill raid. Est-ce que j'ai pas coupe? J'ai pas un slave là pour couper là? Ah mais non, j'ai pas de slave encore. Hein. Enfin, je pourrais en avoir un, hein, ça dit. Oh, flemme. Faudrait que j'aille au mode PC, que j'apprenne coupe. Oh, flemme. Flemme du CS slave là. Non, ça on a déjà fait. Y'a toute nouvelle zone. Ouais, bientôt, je pense. Hein. Les bois de Bourpétal. Mais pas, mais c'est pas Bourpétal, pétale. Bourpétal. Je fais Salamèche là, hein. Salamèche. Quick, quick. Ah non, non! Au secours, il se fait agresser par un Goélise! Vous savez que quand j'étais gamin, je pouvais vraiment passer. A chaque fois que j'allais dans cette maison, je m'amusais à bloquer le vieux pour que le... ou l'oiseau pour faire des trucs bizarres. Voilà. Genre, je m'amusais à faire ça tout le temps. Vraiment, je pourrais passer des heures à faire ça. Hein. Les mecs. Oh, attends un peu, viens. Piaf de mort. Attends un peu, piaf de mort. Oh, oh, c'est toi, Sacha. C'est toi qui as sauvé mon cher Pico. Oh, je te dois tant. C'est tous des tonnes hein, dans ce monde. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Tu voudrais naviguer avec moi? Tu as une lettre à aller livrer à Tionfold et un package pour Slateport. C'est ça? Eh ben dis donc, un garçon occupé pour ton âge. Tu te ferais pas exploiter par hasard? Certainement. Ce que tu me demandes n'est pas du tout un problème. J'ai venu voir la bonne personne. Nous allons naviguer jusqu'à Dewford. C'est Mario le jeu, OMG. C'est Mario, bientôt Yoshi. Go à Dewford, nouvelle zone. Nouvelle zone. Nouvelle zone. Nous Dewfordam. Il y a même deux nouvelles zones à Dewford parce qu'il y a, les routes, il y a les chenals et tout. Normalement, il y a deux nouvelles zones à Dewford, même trois avec la grotte. Hein. Trois nouvelles zones, même quatre. Je crois qu'il y a quatre nouvelles zones là, non? Bip. Oh, Sacho. Où est-ce que tu te situes? J'entends beaucoup de vent là où tu te trouves, je te capte mal. J'ai entendu de Monsieur Stone de la Devon Company à propos de ton Pokénav, donc j'ai décidé de te appeler. On dirait que tu te portes bien, donc c'est cool. Voilà, voilà. Clic. J'ai toujours adoré mon papa. Toujours adoré mon père. Sacré Norman. Toujours été là pour moi. Papa. Dewford Town. La ville de la ville de Ford. Ah, oh, nous sommes arrivés à la ville de Ford. Je suppose que tu vas livrer cette lettre et après à je sais pas qui là, l'autre random là, Steven. Ah, petite herbe haute là. Est-ce que herbe haute ou pêche? Oh, pêche. Non, herbe haute hein. Capture OMG. Attends, on avait dit que c'était qui notre mec pour capturer? On n'a pas. C'est qui notre Pokémon qui a la paralysie, la boîte PC hein, celui qui a Thunder Wave. Ils sont pas Thunder Wave. J'ai Hypnosis, mais attendez. Oh, super canne en haut là. J'ai un pêcheur. Attendez, je vais prendre mon Pokémon de capture à l'autogétique. Alors,
Vu qu'il est niveau 7, peut-être qu'il va se faire outspeed et se faire one shot. Mais c'est pas... C'est un détail. T'as pas des trucs toi, Mimitos aussi? Non, rien. Follow me, Attract, Double Edge, Thunder Wave. T'as un mec de Thunder Wave, toi t'es une légende. Hein. Je te le dis. Hein. Tu es une légende. Hein. Ah, ça vient, je te pose là pour l'instant. Eh ben c'est parti pour les captures. Hein. Vous connaissez le principe. On est en Nuzlocke, semi-Nuzlocke, ce qui fait qu'on a le droit de capturer uniquement le premier Pokémon de chaque zone dans laquelle on arrive. Ces Pokémon-là sont randomisés. Et évidemment, je tirerai au hasard un viewer dans le chat qui donnera son nom au nouveau Pokémon. Donc là, nous sommes dans la zone de Dewford Town. Et normalement, si je vais à droite, je peux pêcher. Voilà, Route 107, je peux pêcher. Donc là, on a deux nouvelles zones déjà. On a Route 107, on a Dewford Town. Et on a même la Route 106. J'ai pas de Pokémon en Route 106. Donc Route 106, c'est si je remonte, c'est ça. Hein. C'est le mec. Pokémon, t'as... Ah oui, la potion et tout. Et la route 106, ouais, c'est ça. Donc on a bien trois nouvelles zones. Trois nouvelles zones, plus... La grotte, tout à l'heure. Donc là, ça va faire 4 captures, OMG. Eh, mais 4 captures, par contre, on va avoir des bonnes captures. Parce que là, regardez la team d'élite qu'on a déjà. Je veux dire, on a Petit Tars à la mèche. C'est un peu les meilleurs Pokémon du jeu, bref. Il nous faut un Pyrax. Non, il y a que les Pokémon de la 3G, FF. Bon, seul problème, du coup, c'est qu'on est sur un Kaizo. Ils ont pas rajouté les sprites un peu des Pokémon de future génération. On est que sur Pokémon 1, 2, 3 jouer, quoi. C'est parti. Capture. OMG. Attendez, je vais vérifier que j'ai assez de Pokéball quand même. Normalement, j'en ai 1000. 6 premières balles. J'ai encore Bolletti et Rock dans mon passage. Papa. On est bien. Hein. Yo, Bolette. Ah, on y va. Attends, j'avais parlé au monsieur là. Ah bah. Pas de discussion, on y va. Faut que je devine le nom du Pokémon au cri, c'est parti. C'est quoi cette merde? Un long cri comme ça là? On dirait genre un électrode. Oh! Oh oh! Ok, 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 ok. J'ai même pas dit que c'est un Pokémon de Unite. Le fameux. C'est un Pokémon de Unite lui, non? C'est effectivement. En vrai, de vrai, c'est pas mal. Je crois qu'Ectoplasma, je sais pas comment il évolue dans ce jeu. Mais c'est pas mal, hein. Avoir un attaque qui est niveau 15. Ok, ok. Bon, là, il y a un monde, déjà, il me touche pas, donc je peux mettre mon Thunder Wave. Ok, ok, c'est bien. Mean look. Ça sert à rien, en tout cas, dans le jeu. Ok, Thunder Wave. On te dira si ton chaos, c'est mon problème, hein. Bon, je peux pas le toucher derrière, par contre. Je ne peux pas le toucher. Je peux le charme. Mais charme ne marche pas, du coup. Est-ce que j'ai de quoi lui mettre cher, mais pas trop fort? Pistolet à eau de World. J'ai pas aussi un mud slap là. Ah, mais il a lévitation lui, non? Eh hey. Rock tombe, ça va pas le one shot après, mais. Il va pas exploser ou faire des mementos là, on est d'accord, hein. Est-ce que c'est un auto de capture? Je pourrais essayer maintenant là. Il look et ban. Regardons un ban, les gars, putain. On va devoir remake la game. On va devoir remake la save là. Du-du-du-du. Ah oui, il y a 1000 looks donc je peux pas switch, putain, je suis con. Bon, on y va, hein. La vue. Mais vous savez, le spell est ban, hein, moi je. Bon, on tente alors, hein. Dans quel monde un putain de spectrum qui est un spectre sans aucune contenance physique, littéralement un fantôme, peut exploser? C'est un Pokémon gaz. Oui, bah c'est du gaz là peut-être. Ça explose le fantôme. Est-ce que les fantômes ça explose? Ah. Eh ben Dewford Town, Find Encounter, Haunter, Statue, Mist. Oh putain. Et du coup 0 XP. J'aime bien ce qui est trendy et tout. Expensive Train. Ah oui, c'est. Ah oui, les moins la mob. I mean sheesh. I mean sheesh.
this expensive train. It's the hottest thing in cool. Wherever you're from, expensive train is the biggest happening thing, right? No. Huh? It's not the hip and happening thing. Well, hey, have to tell me what's new and what's in. Now, qu'est-ce qui est in et qu'est-ce qui est un? Flip, rail. Y'a pas flip. Speech. Y'a pas. Comment on peut dire flip? From, oh, da, 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 da. Genre action, creating, speed, and decondition, actions. Bra, capable, collect, etc. Flip. Faint, forget, forget, gives, gives, ignorance, lean, looks, look, rayquaza, smite, praise, please, do, ray, run, see, cry, sing, sleep, ride, unite, explosion. Y'a pas unite en. Si y'a le mot unite à votre avis? Group mode. Ah, attendez. Select, AZ mode. Ah oui, je peux faire ça. Unite. Uncle, until, unknown. Oh, y'a pas Unite. FF. Est-ce que je peux avoir flip du coup? Flip. Flame, Flareon, Flowers, Flying. Oh. Oh, c'est nul. Fufufu. Faut un truc avec Rayquaza. Hein. On peut pas faire des trucs avec Rayquaza là? Attendez, y'a pas des actions avec Rayquaza là? Miss Leninus. Above, am, away, beside, confuse ray. Left, lounge, opposite, outside. Faut un truc trendy, les gars. This is it, you know. This ray. These nuts. These nuts. Where ratio? Est-ce qu'il y a ratio? Where ratio? Dis-moi qu'il y a ratio. Oh, y'a pas ratio! Y'a pas ratio là! Est-ce qu'il y a pump? Et hydro pump? C'est bien vu, est-ce qu'il y a pump tout court? Pure power! Pure power! Rai pure power. Rai quadza pure power? Psyduck? Pretty, praise, Porygon 2? On va trouver un truc bien. C'est ultra important hein. Alors c'est important qu'il faut qu'on lance de la mode là. Adjectif. Break, drooling, fire here, bleed, destroy, exciting. Lolling Rayquaza. Ricky Rayquaza. Je sais pas ce que je veux dire. Roxu Rayquaza. Y'a pas chiche. Chiche Rayquaza. Petit cliche. Firsty Rayquaza. Tight Rayquaza. Useless Rayquaza. Useless Rayquaza. Where useless. On n'a pas ratio. Where useless. Toxic Charmander. Wimpy. On a Wimpy quoi. C'est nos B-side, on s'en a fait. Time. Age always, another current, all months, daily, day. Final push. On peut mettre le final push. Final push, you know. Final Rayquaza, final push, forever Rayquaza. Forever Rayquaza. Eh, ça fait pas un nom de groupe incroyable. Franchement, j'ai une parodie, une chanson de parodie Unite à mettre, je l'appelle Forever Rayquaza. Forever Duralugon, Forever Rayquaza. Il y a Rayquaza. Y'a pas Rayquaza. Non, jure. Y'a Ratata, y'a pas Rayquaza. Non mais on est où là? Y'a Remo Red, y'a pas Rayquaza. On est où? Forever Run, Forever RPG, Forever Romantique. Oh allez, Forever Romantique. Tu te laisses Glacion. Y'a Glacion? Bah non, c'est la 4G Glacion, je suis con. Tu te laisses Gladi. C'est quoi Others? Ah. Where? On peut mettre. On n'a pas le ratio, mais on peut faire where, point d'interrogation. T'es où, where? Where? T'es où, where? Where? Useless Umbreon? Ça marche Umbreon ou pas? Flip it? Y'a pas flip! Envie de pleurer.
Y'a pas Rayquaza, y'a pas Fibre. On peut pas rigoler. On peut pas rigoler. Ouais. Non mais faut qu'on trouve un truc avec Forever. En vrai attendez, on a un autre groupe avec Forever là, attendez. Faut qu'on trouve les Forever quelque chose là. On est Forever et genre faut trouver genre Forever Friends. Un truc cheesy comme ça là. Dis-moi qu'il y a Forever Friends. Forever Flying, Forever Forget, Forever From. Et même pas. Ah oui, Forever Friend, you know. Forever Loser. Forever Loser, you know. Forever Flip, Forever Ray. Forever Lane. Forever. Forever Charmander. Forever Ferret. Forever Ferret, hein. Forever Ferret, les gars. Moi, je dis Forever Ferret, hein. Forever Ferret, ça fait une. Ah, franchement, en fait, j'imagine, tu vois, un t-shirt. J'imagine un t-shirt avec une marque, une ligne de vêtements qui s'appelle Forever Ferret. Il y a une vraie marque là. Il y a une vraie marque là. Forever Ferret, vas-y, go ça. C'est trendy. Forever Ferret. Yeah, that's right, mate. Yeah, I knew that. Knew it all along. Was playing with you, mate. Haha, of course I knew about that. Forever Ferret, right? Yeah, that's it, it's there. Isn't Forever Ferret the coolest or what? It's the hippest thing in the heap, you think I'm not know about it, man? Expensive train, it's like so 5 minutes ago. Now Forever Ferret, it's what's vital and in tune with the times, you know? J'ai pas compris, je parle pas anglais, monsieur. S'il vous plaît, monsieur, parlez. Parlez normalement, ça fait FF en abrégé, c'est parfait, ça fait FF. C'est parfait. Oh, c'est beau. J'ai pas traduit, mais c'était beau ce qu'elle disait. Gugu. Gugu. Elle a dit que c'était bien, on vivait loin de tout. Bon, l'arène, on ira juste après, bien sûr. Ah oui, y a pas une histoire dans les speedruns où, genre, cette arène, tu peux la faire plus tard. Ah oui, parce que tu peux aller à Poivre Sel et tout, et avancer sur le jeu sans faire de l'arène. Dewford Hall. C'est les trucs à faire, Dewford Hall. Salut. Ah, y'a Forever Ferret. Et c'est des grands fans de Forever Ferret ici. Hein. Ah, toi, tu veux pas un échange, toi? Ah, lui, il collectionne la merch Forever Ferret. Des Forever Ferret doll. Des Forever Ferret habits. Je vous l'ai dit, c'est parfait pour une marque. Officially licensed Forever Ferret Picture Books. Wouah. Des Ferret partout. Il a fait une musique. Oh, Forever Ferret. Wonderful Forever Ferret. I would pay for you to work on your singing before you... Oh. Oh, il a juste il a essayé de chanter, le mec la trash. C'est trop drôle, l'humour dans Pokémon. Waouh, on tape des barres. Hein. Ah, vraiment, c'est des grosses barres. Hein. Des livres ferrettes. Pas des échanges. Ah, dans Broly. Broly? Non, je fais pas dans Dragon Ball, moi. C'est pour les attaques normales, ça. C'est bien pour l'Inéon, ça, le Silk Scarf. J'ai bien fait d'explorer un peu, moi. Silk Scarf. Eh oui, hein. Alors, soit on le donne à Brasbo pour augmenter les dégâts de Body Slam, soit on le donne à Chris pour juste sweep. Ah, oh, vas-y, go sweep, hein. Go sweep avec les néons. Hein. Oh, les néons Silk Scarf là. Oh, ça met bien. Attends, je vais soigner le Togetic. T'es Zura qui se fait bully. Je le Togetic et on va capturer un. On a pas fini les captures, hein. Il nous reste deux captures à faire, hein. Le Spectrum n'était qu'un coup dur. Il y a encore deux autres coups durs qui arrivent, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a loupé au total depuis le début de l'aventure? On a loupé Mew. On a loupé un Mew. On a loupé Onigladi. On a loupé Kotovol. Et là donc on a loupé Spectrum. C'est le quatrième Pokémon sauvage que l'on rate. C'est beaucoup quand même, hein. Pas de super canne ici. Bon, tant pis, FF. Du coup, 107. Bah, let's go capture, hein. C'est parti, hein. Not even a nibble. OMG. Ok. Moi je vous dis, il faut juste faire un 3-6. Faut faire un 3-6 sur soi-même. Appuyer sur babé. Et là il y a un Pokémon. C'est le pro strat, regardez. Je vous l'ai dit. C'est les tactiques de professionnels. Et là, un Pokémon légendaire. Tout de suite. Sur votre écran, un Pokémon légendaire. C'est maintenant la capture. C'est définitivement pas un Pokémon légendaire. Attends, c'est connu ça, non?
Un Pokémon mignon. Je dirais, je sais pas. On dirait un type plante. C'est pas genre un Germignon? Ah, c'est de la merde. Oh, c'est pas Germignon, c'est pas très mignon. Ouais, non mais ça marche pas tout de suite. Non mais c'est un singe. Ouais, c'est non mais il est non, mais en fait c'est parce que dans Kaizo il est légendaire en fait. En moi c'est insane parce qu'en fait dans Kaizo il est légendaire les gars, genre c'est une rencontre de fou. C'est... On va capturer mais il va me fumer. Oh. Oh, fais zéro dégâts. Bon. Monkey. Bah écoutez, on va le capturer hein. C'est la mascotte avec 150 d'attaque, 200 de vitesse. Par contre on rigole mais genre il y a des Pokémon qui ont vraiment eu leur stat changé hein. Oh, ouais. Wouh. Parce que par exemple vous prenez Spinda, déjà Spinda a 20 de base de stats partout en plus. Tenefix est aussi ultra broken par exemple. Tenefix est turbo broken dans ce jeu, faut savoir, donc voilà. Donc il y a vraiment des Pokémon qui ont été buffés hein, dans Kaizo. Hein. Monkey, le Pokémon cochon singe. Ah bah oui, c'est un cochon. J'ai jamais remarqué que c'était une fusion entre un cochon et un singe. Parce qu'il a un groin. Oh d'accord, oh non mais ça va trop loin là. Ça va trop loin là. Le Pokémon cochon singe. Lorsqu'il commence à remuer son nez... Ouais, c'est ça. Lorsqu'il commence à renifler de manière agressive, c'est sûrement que ça pue la merde. Cependant, lorsque ça arrive instantanément, il n'y a pas le temps de s'enfuir. Dans tous les cas, FF. Il est mangeable ou non? Bah du coup, let's go. Ah, attendez, les amis, c'est le moment du suspense. Qui va donner son nom à ce féroce singe? OMG, vraiment, le suspense est à son comble. J'ai tapé maillot faible. Je comprends pas pourquoi j'ai pas la musique. OMG, c'est vraiment le musique à son... Suspense. Waouh, qui va donner son nom à ce Pokémon? Bravo, 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 c'est fait, c'est fait. C'est Hyde, bravo mec. Bravo mec. Oh, insane tirage au sort, le suspense était incroyable. Bravo mec. Allez, qu'on suit. Go next. Allez. Grosse capture. Bravo White en tout cas. Hein. Encore une fois. Yo moustique. Ah, t'es en retard, mais t'as loupé. Pff, t'as loupé des trucs de fou. Hein. Ah, dis-tu le chat. Hein. Ah, il a loupé des trucs. Alors, à quoi tu ressembles toi? Type combat. Empêche de dormir. Vital Spirit. Naughty de nature. Attends, j'ai quand même le noté. Hein. Attends, j'ai quand même le noté sur le Nuzlocke. C'est quoi, c'est route 107 lui hein. Ouais, c'était route 107. Monkey, nickname Heights, status captured, nature naughty, c'est plus d'attaque moins SPD, pas la pire nature. Il a quand même 34 d'attaque le bug hein. Mais est-ce que c'est plus que Brasbo? Non. Uproar, Seismic Toss, Carapechop, Rage. Ouais, ça peut dépanner. Écoutez, on a Seismic Toss Ça va rester en boîte PC, je crois. Hein. Cool, cute, tough. Ah oui, j'ai jamais vu le nom en anglais. Oh, les concours. Oh, on va pouvoir spammer les concours, c'est incroyable. C'est incroyable, on va spammer les concours, c'est incroyable. Bon, on a encore une capture, les gars. On a encore une capture. Non, on a encore une capture. On a encore une capture. On a encore une capture, les gars. Trusté. Il nous reste une capture, les gars. Il nous reste une capture. Trusté. Trust the process. Et la caverne en plus, Yopolette. Oh. Bonjour madame d'ailleurs, au passage, je vais pas parler. Oui, c'est une petite communauté. Dès qu'il y a une mode, tout le monde s'en empare. Je sais pas de quoi ils se sont inspirés pour faire ce délire du dès qu'il y a une mode, tout le monde suit la mode et tout. Je sais pas s'il y a une inspiration derrière ça, aucune idée. Et bah, route 106, c'est parti hein. Les amis, on a une capture cette fois-ci, c'est facile. Il suffit de faire droite, droite, gauche, bas, haut, select. Et là, normalement, c'est un légendaire. Regardez. Voilà, je vous l'ai dit, c'est clairement un putain de Remoraid.
On a eu combien de captures là? Attends, mais tu veux dire que là en 3 captures, on a eu Remo Red, Féro Singe et Spectrum qui a fait explosion? C'est pas. Ah! Henri, peut Tezura. Oh, il tank, quelle légende! Mais Tezura, c'est une vraie légende par contre. Hein. Tezura est une légende du club. Hein. Bon, des montagnes, bonne pioche. Oh ouais. En vrai, attendez, ça évolue quand Raymond Red. Merci Tezura. Hein. Non je rigole, on a rien à faire. Raymond Red. Oui. Oui oui oui. Raymond Red Octiri. Quoi Octiri on s'en fout non? Je pense qu'en gros il m'a bait sur mode comment ça aurait des mantas. Baby manta, des mantas. Après Octillery. Ah. En fait le truc c'est qu'en type haut, moi j'aime bien avoir le fait d'avoir Barloche. J'aime bien le fait d'avoir un type sol haut. J'aime bien Barloche, je trouve ça fort. Je trouve que c'est un bon double type. Pas Barbicha plutôt. J'aime bien. Sachant qu'en type vol on aura déjà Dracofeu MDR. C'est un bon move pour l'Octillery. Ouais mais Barbicha aussi non. Je sais pas, entre un type au pur et un type au sol, peut-être que je préfère Barbicha. Gaze Octillery non. Après ça son talent octo machin. Ouais. Wouh. Let's go là. Hype. Ah ça a son de bas stat. On attaque. C'est très lent Thierry. Ouais. 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 Ah ça a des trempages non mais pas de pensée de génération me dire. Raymond Red, le Pokémon Jet. Un Raymond Red utilise ses muscles abdominaux pour se forcer à recracher l'eau qu'il a avalée. Et s'en sert pour mettre à terre ses proies. Lorsque le moment de son évolution approche, il voyage le long des rivières. Il suit le cours des rivières plutôt. OMG le suspense. Oui, je le suspense. C'est claqué au sol. Bah en vrai t'as le x4 sur la plante mais en tous les cas t'es x2. Et t'as une insensibilité électrique qui peut être intéressante. Après on a déjà du type sol mais on a déjà Steelix. Donc on a déjà l'insensibilité électrique. Les amis. Là c'est un peu suspense parce que c'est peut-être une des... Ah non il y a la grotte derrière. Peut-être qu'on va pouvoir évoluer. Au sol t'as quoi? En fait t'as juste une faiblesse. T'as une faiblesse au type plante. Sinon tu résistes à feu, poison, roche, acier et t'es insensible électrique. Au sol c'est bien, t'as qu'une faiblesse à plante. En vrai. Au sol banger, ah oui. Je comprends. Ah oui je viens de comprendre, c'est claqué au sol. Ah ok mec, en fait c'est grave drôle parce que du coup en fait tu as dit c'est claqué au sol parce qu'en fait du coup c'est le type double type c'est au sol mais du coup ça fait aussi le mot au sol, c'est cool. Non franchement plutôt sympa. Non plutôt sympa. Je vais supprimer le message et c'est aussi purge hein, d'ailleurs. Ah, ça dégage. Bolette, hop ça dégage. Voilà, hop là. Ça c'est ban. Ça c'est ban. Tu veux être un Raymond Red OMG, je vous laisse pas le choix. Hop là, tirage surprise. Tirage surprise, tirage surprise. Hop 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 hop. C'est Okuno, bien joué mec. Bien joué mec. Trop fort. Trop fort Tokuno OMG. Mais pas le choix. J'espère que t'es heureux mec. Bien joué mec. Allez. 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 Tout le set commence. Let's go c'est pas moi.
On va quand même checker Tokuno. On n'aime pas un Tokuno déjà dans ce... Non. On n'aime pas Tokuno. Attendez, je le note quand même. Remoraid. On va faire les choses dans l'ordre. Pip, bap, wap, wap. Bon, on va voir la grotte, mais déjà, on va faire ça. Non, ça, j'ai dit. Tezura, c'est le goat, hein. Tokuno, il a Hustle. C'est drôle. Tokuno a Hustle. Il est capturé. Et sa nature, c'est Quirky. C'est neutre, hein, Quirky, c'est neutre. C'est neutre, il est type O, il a Hustle. Hustle avec Psybeam, Bubble Beam, mais... Non, mais il a le découvert de fou, wesh. Attendez. Wesh. Il a Glace au Psy. En cover. Bon, après, il a pas des stats folles, hein. Ça évolue tard, ça évolue quoi, niveau 25, je crois. Pas si tard, niveau 25. Pas Octiri. Niveau 25. En vrai, il a des couverts de fou, hein. Après, le truc, c'est que... En fait, le truc, c'est qu'on a déjà, Petitar et on a déjà Barbicha. Le problème, c'est que j'aime bien Barbicha parce que au sol, tout ça, la famille. Et Petitar, il y a un côté où c'est rapide et ça a hypnose. Et ça, ça nous a quand même bien sauvé la vie. Le fait de pouvoir outspeed et de faire hypnose, j'aime beaucoup. Et du coup, ça fait déjà deux types O. Pas mal, hein. Tout ça pour perdre son talent en évoluant. Ah, parce qu'il perd au sol derrière. Octiri a quoi comme talent? Ventouse ou Sniper? Remoraid. De base, dans le jeu de base. Ah oui, il a bien agitation. Ah, donc c'est vraiment un talent qu'il perd en évoluant. Ah oui, donc un Remoraid peut avoir agitation et il le perd en évoluant. Pour Ventouse ou Sniper. Ventouse, c'est un peu nul. Et Sniper, par contre, c'est big. Sniper, c'est big, hein. C'est pas mal. Il y a des bonnes covers, hein. Psybeam, Bubble Beam, Aurora Beam au niveau 15, comme ça, c'est propre, hein. Avec Hustle. C'est pas si mal, en vrai, hein. Pas si mal, mais le truc c'est qu'encore une fois on a en fait le fait de vraiment d'avoir le petit art avec 38 de vitesse qui peut faire hypnosis là, c'est fort, hein, quand même. Un bubble beam qui se tape bien, même si là derrière elle a aucune cover, quand même bien, hein. Après en vrai il tape, il n'y a pas des stats de fou après en attaque, hein, donc même avec un seul pas des stats folles le boug, hein. C'est vrai qu'on a ni attaque, ni cover psy, ni cover glace dans la team, hein, par contre. Hein. Parce que lui, il tape que sur le combat, lui, il tape que sur le normal, lui, il tape au sol, lui, il tape sol roche, lui, il tape haut, lui, il tape pas. Lui, il tape pas. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de cover dans la team. Hein. De toute façon, à un moment, il va falloir dégager le petit art ou le barbicha, je pense. Hein. C'est ça qui va se passer. Hein. Le linéon aussi, d'ailleurs, pas ça, jamais. Bon, ça va rester comme ça pour l'instant, mais je note le Remoraid quand même. C'est quoi, on va le mettre en ligne 2. Les Pokémon que je mets en ligne en ligne fin là, c'est que c'est des carrés. Les Zurat un carré aussi. On va faire comme ça. Il y a la grotte, de toute façon, il y a la grotte, les gars. Mais surtout, il y a un sbire Team Aqua juste avant quand même. Hein. On l'a vu le sbire. Hein. On l'a vu le sbire là. Hein. Ah, j'ai entendu qu'un petit connard avait ruiné notre tentative de vol. Mais attends, tu as le Devon Goods. Avec toi, je vais te le reprendre. Maintenant... Je suis maléfique. Sbire Team Aqua. Ah, il va faire explosion lui encore. Il est encore explosé, FF. Après, si j'envoie Stickton... Oh bah, World a plus d'HP, j'ai... J'étais en mode, t'es la seule fois où je me suis dit j'ai pas besoin d'aller au centre Pokémon parce que tous mes Pokémon sont full HP, j'ai même pas besoin de check. La seule fois où je suis pas parano à me soigner, je suis pas full life.
Il apprend pas, de danse Draco. Oh, si la danse Draco, c'est incroyable. Ouda, di, douda. Je sais pas pourquoi j'ai envoyé lui alors que je peux le toucher qu'avec Croc Tombe. Tchikitika. Oh, je tank de fou là. Il m'a enlevé 2 PV quand même. Hein. Après, il va pas jamais me toucher. Tchikitika. Oh, la musique de Timakba quand même. On parle pas assez. Hein. Bien joué, mec. Oh, big self-destruct. Hein. C'est ça que j'attendais. Je savais qu'il avait self-destruct. Il était à 142 points XP, on prend. Glass Tenem, c'est faible à du coup Roche. Ou c'est le type Roche qui est faible aussi classe. Non, c'est le type Roche qui est. Non, attendez. Les deux sont faibles en, les uns vers les autres, non? Attaque Roche, ma table des types. Attaque Roche, super efficace contre glace. Et attaque glace, c'est contre sol que c'est super efficace. Contre Roche, c'est x1. C'est ça que je comprends toujours. Glace est super efficace contre roche et roche contre glace. Parce que le caillou casse la glace. Et la glace, ça frise le sol. Bref! Croc Tombe. Ouais, il a 0 attaque spéciale, lui, ça va rien me faire. Bon, j'ai 0 défense spéciale non plus, mais. Bon, par contre, Yanis, ça va, mec? Tu veux de l'aide? Elle est bien la sieste? Frère, il me met un hypnosis à 70 de précision et je me tape un sommeil de 5 tours. Let's go. Surf, bah, je sais pas, ça me choque pas. Peut-être, oui. Bon, 5 tours de sommeil plus l'hypnose à 70, on en parle ou. Il va me surfer là. J'ai presque envie d'envoyer World pour avoir un safe switch derrière. Ouais, oh, j'aurais pu juste laisser crever Yanis aussi. Hein. Tant qu'à faire en fait. Hein. Juste à ce qu'il dorme. Après, là, je tank, non? Oui. Est-ce que je tente un hypnosis légendaire? Ah, c'est trop rapide, hein. Plus rapide qu'un petit Ardisset, le Farfuré. Après, il évolue pas dans cette génération, donc je pense qu'il doit avoir des stats bien élevées. Je pensais que j'étais plus rapide avec 5 niveaux d'avance. Aïe. On peut envoyer le Salamèche pour switch derrière pour XP. My bad. Je serais prêt de derrière Ace, mais vas-y. Hein. C'est chiant ça. Hein. Il est type normal encore pour Porygon. Hein. Je suis rapide. Oui, j'ai type psy. On va tester. Hein. C'est pas un petit moral encore. Normal plus. Parce que j'étais en mode il va me faire un rafale psy et tout, mais. Par contre, c'est lent de fou, wesh, ma chopper la outspeed. Bon, le voilà le type ci. Est-ce qu'on sacrifiera pas Brasbo finalement? Ou Yanis? Après, je garde Brasbo alors qu'il est plus lent et qu'il a 19 PV. Pas ouf. Boubou! Bon, ça devrait aller. Ouais, je tente bien. Magnitude là. Oh, magnitude 5. Un effort Yanis. SVP. Je tanque là. Un PV normalement. FF. Je dis, il y a un monde. OMG l'XP de Hitza. Il va me faire quoi là? Il va me faire choc mental. Je suis mental qui peut me rendre confus, ça va être chiant. C'est quoi la défense spéciale de Barbichal hein? 61, 25.